Sans trahir un secret, Micheline a l'âge d'être grand-mère. Et pour elle, le mobile doit être un objet facile à utiliser. Ces petits téléphones, on peut faire des tas de choses avec. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, maintenant, à mon âge, c'est fait pour téléphoner. Mais le problème, c'est que bien souvent, un simple appel se transforme en véritable casse-tête. Là, ça n'a pas l'air de faire de l'effet. Je me promène avec quand même ma petite notice. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Le rêve de Micheline, ça serait un téléphone à une seule touche. C'est tout. Mais ça existe et il n'y a plus besoin de notice. Au moins, tromper de touche. Et allô, bonjour, que je puis faire pour vous? Pour appeler, c'est très simple. En fait, on appuie sur le bouton et on a une opératrice qui est disponible 24 heures sur 24, qui a automatiquement le répertoire de la personne, donc qui peut lui passer en quelques secondes ses correspondants. Et on peut aussi appeler les urgences en appuyant 5 secondes sur le bouton. Cette technologie est destinée aux seniors ou aux gens à la vision très déficiente, mais aussi à tous ceux qui veulent se simplifier la vie. Plus simple, je crois pas que ça existe. En plus, on peut voir si on n'est pas trop décoiffé.